Aujourd'hui, on se retrouve pour une skincare routine. Il y a un moment, je vous ai bombardé avec mes skincare routines, mais c'était il y a 2 ans. Et là, je vous assure que j'ai tout changé dans mes gestes skincare, dans mes habitudes, dans ma routine. On veut que ce soit fluide. Déjà, je vous ai montré comment je faisais mon eau au citron. C'est un geste skincare. Je vous assure que c'est un geste skincare. L'eau au citron, ça fait trop du bien à la peau. Et c'est aussi pour perdre du ventre que je bois de l'eau au citron. Les deux. Pour la peau et pour le ventre. En tout cas, voilà. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, mes choupieux, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et vous rejoignez la famille. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. Regardez comme il est beau mon kimono. Je sais pas si... vous voyez bien mon kimono. Bref, on s'en fout de mon kimono. Yarbi, comment je suis relou. On s'en fout de mon kimono. Je vais allumer mes lumières. Donc, je vais vous montrer de A à Z ma routine skincare du matin. Et je vous expliquerai celle du soir à la fin de la vidéo. Je vous dirai les différences qu'il y a avec le soir. Parce que ça se ressemble beaucoup. Mais celle du matin, on va la faire ensemble. Je ne l'ai toujours pas faite là. Et le matin, avant, je me lavais le visage. Et maintenant, je me lave plus le visage le matin. Maintenant, j'utilise juste un coton et de l'eau tonique. Mais je vais tout vous montrer. Vous inquiétez pas. Quoi d'autre? On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. J'ai ma tour skincare ici. Tous mes produits sont là dans cette tour qui tourne. Tour rotative. Tous mes produits sont là-dedans. Donc ce que je fais à chaque fois, je viens ici, je choisis mes produits et je retourne sur mon tabouret devant ma coiffeuse pour les appliquer sur mon visage. Donc on va aller devant ma tour skincare tout de suite, let's go. Je prends cette boîte, c'est un coffret Estée Lauder. Et je prends tous les produits qu'il me faut et je les mets dans la boîte, comme ça après la boîte je la prends avec moi. Donc en premier on prend la lotion tonique. Là déjà j'ai pris la lotion tonique à la neige, elle est super bien. Après je prends mon spray d'eau de titri d'arbre à thé. Après je prends ma crème solaire teintée. En fait, je prends pas dans l'ordre où je l'applique les produits, mais je prends dans l'ordre où viennent les choses. Je prends mon contour de l'œil, Biotherm, que je suis toujours en train de tester, je sais pas si je l'aime ou pas. Et j'alterne entre ces deux crèmes hydratantes. Aujourd'hui, je prends la Clinique, la Moisture Surge. Et aussi mon sérum il est où? Et je prends ce sérum de chez Save. Moi j'ai CAV, mais ça s'appelle Save, j'ai inversé les lettres. Voilà, donc là on a ma boîte bien remplie. Est-ce que j'ai tout pris? Non, il me faut des trucs qui sont dans les autres tiroirs. J'ai oublié des trucs qui sont dans les autres tiroirs avant toute chose. À jeun le matin, vous allez voir. On retourne devant ma coiffeuse. Donc là, dans ce tiroir, on a mon zinc. C'est des compléments alimentaires, c'est du zinc. C'est bon pour la peau, ça m'a vraiment aidé à... Franchement, je vais vous mettre une photo à l'écran avant de ma peau. Là, regardez ma peau comment elle est. J'ai beaucoup de boutons. Là, j'ai des gros boutons. Mais avant, c'était une catastrophe. Je vous mets une photo à l'écran. J'ai honte. J'ai honte de la mettre, mais il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre la réalité des choses. Il y a un mois et demi, ma peau, elle était comme ça. Catastrophique. Et maintenant, là, ça fait moins d'un mois que je prends le zinc. Je prends aussi les antibiotiques que m'avait prescrit mon généraliste. Et le zinc m'a vraiment aidé à combattre mon acné. C'est des petites gélules comme ça. Comme ça. Et moi j'en étais sûre en plus. J'en étais sûre. C'est des petites gélules comme ça. Bref, je sais pas comment vous montrer. Bref, ça va. J'ai fait tomber par terre en plus. Pas grave. Voilà. J'ai aussi ma vitamine C avec le ginseng pour le tonus à prendre. Là j'avais fini la boîte, donc c'est pour ça d'habitude elle est dans ma tour skincare cette boîte. Mais j'avais fini celle la première, ça c'est la deuxième que j'entame. Donc elle était dans ce tiroir là tout simplement. Mais je vais la remettre dans ma tour skincare après. C'est des petites pastilles, je vous avais montré dans mes
dans mes obsessions du moment, je suis obsédée par ces trucs. Ça me donne de l'énergie toute la journée, c'est incroyable, c'est mieux que le café. Franchement, c'est mieux que le café. Après, là, dans cette jarre, on a mes cotons et mes cotons-tiges. Donc là, on va avoir besoin d'un coton, d'un disque de coton. J'arrive pas à m'y mettre au coton, je dirais, utilisable. C'est pas aussi doux, c'est pas aussi bien. J'arrive pas. Peut-être qu'un jour, je vais essayer vraiment. Téléphone sonne et mon bonbon, il est acide. 1 hour later. Premièrement, je prends mon spray de eau de... C'est ça que j'ai mis dans une bouteille en pchit-pchit. C'est de l'hydrolat pur d'arbre à thé. Ça s'achète chez Aromazone. C'est de l'arbre à thé, tout simplement. Et ça fait du bien aux boutons. C'est bien pour les peaux à problème. C'est trop bien. Donc moi, j'en ai mis dans cette bouteille où il y a un pulvérisateur, un pchit-pchit. J'aime l'appeler pchit-pchit. Moi, j'aime bien dire pchit-pchit. J'aime pas dire les autres mots pour ça. Bref. On asperge. Comment ça fait du bien. Je prends mon gel hydroalcoolique et je me lave les mains avec. Même si je me suis lavé les mains. Je préfère faire ça. Parce qu'avec les boutons que j'avais surtout. Cette lotion tonique, elle est incroyable. Vous me l'avez conseillé, vous, les filles. Merci. Merci. Qui me l'a conseillé? Nina ou je sais plus qui. Lina. Pas Nina, Lina. Elle m'a... En fait, c'est une lotion tonique exfoliante, mais en douceur, en douceur, en douceur, en douceur, en douceur. Vraiment, mais le packaging est trop cute. C'est une bouteille comme ça, vous l'ouvrez, c'est comme ça. Donc là, je l'ai utilisé, mais il en faut tellement peu que... Vous voyez, il y en a beaucoup encore. Ça fait pas longtemps que j'utilise, c'est vrai. Ça fait une semaine. Donc j'en mets sur un coton. Et je vais essuyer mon visage. Les barrettes, c'est juste pour l'aspect esthétique. Hein. Esthétique, pardon. Donc je mets surtout là où j'ai des traces de boutons. Surtout là que j'en mets de ce tonique. Sur mes boutons aussi. Et après, quand j'ai fini le visage, vous voyez, le coton est comme ça. Il est pas propre, il est pas sale. Mais après, je vais faire le cou. Et là, aïe aïe aïe, parce que je mets du fond de teint dans le cou. Et je... Après, il y a grave du fond de teint qui est sur le coton. Parce que je mets un petit peu de fond de teint dans mon cou à chaque fois. Et après, j'oublie de le laver au savon. Quand je me douche, je le lave, mais pas quand je me lave le visage seulement. J'essaye d'appliquer avec mes mains l'excédent, ce qui reste comme ça sur mon visage. Voilà. Après, on passe au sérum. En fait, moi, j'utilise un sérum de Saève. J'ai dit tout le temps Saève, moi. Saève. Saève. Ça s'appelle Saève. Là, c'est un sérum... Botanique Booster Éclat Anti-Tache. J'en ai aussi un autre de la même marque qui ressemble beaucoup, sauf c'est pas la même couleur. Anti-imperfection. Donc j'alterne. Saève, c'est une marque super clean, très bio. Et je fais confiance à cette marque là parce que la composition elle est très clean. Il n'y a pas de produit, c'est pas irritant comme sérum. Il y a des sérums irritants comme le niacinamide des zincs de chez The Ordinary que j'ai arrêté d'utiliser. Parce qu'avec mes boutons, j'ai pas envie d'irriter ma peau en plus de mes boutons. Mais je mets que sur mes joues. Et là, sur la mâchoire. Parce qu'il y a que là que j'ai des imperfections. Et c'est un sérum anti-tache. En fait, j'ai plein de taches là. Vous voyez? Je vous montre, hein, je mets pas de filtre dans cette vidéo, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je vous montre la réalité. Voilà. J'en ai pas mis sur mon front parce que sur mon front, j'ai jamais de bouton. Après, on va passer au contour des yeux. C'est un contour des yeux. C'est le Biotherm. Comment il s'appelle? Aquasource Total Eye Revitalizer de chez Biotherm. C'est pas le meilleur que j'ai utilisé, mais il est bien. Mais je suis encore en train de tester, je peux pas savoir s'il est bien ou pas en fait. En réalité, je peux pas savoir s'il est bien ou pas. Parce que ça fait vraiment pas longtemps que je le teste. Ça fait à peu près 2 semaines. Et ça fait 2 semaines et c'est pas suffisant pour tester un contour des yeux. Je sais pas si je suis satisfaite ou pas. Est-ce que vous trouvez que je suis cernée? Je sais pas. Moi, je trouve que je suis cernée. Hein. Je trouve pas qu'il soit incroyable, ce Biotherm. Celui de chez Estée Lauder, il est incroyable. Le Night Repair.
Après, on passe à ma crème hydratante. La meilleure crème hydratante du monde. La meilleure crème hydratante du monde. Des fois, je fais des masques à l'argile. Ça, c'est un masque à l'argile, la rosée. Mais c'est rare que je fasse des masques. Sinon aussi, je fais des masques au charbon. Ça, c'est un masque au charbon en stick, Sephora. Les deux, c'est des masques en stick. C'est rare que je fasse des masques en ce moment. Vu que j'ai des boutons, je préfère pas prendre de risques et trop irriter ma peau. Mais ça m'arrive. Donc je vous ai pas montré dans cette routine-là parce que c'est pas le plus souvent que je fais des masques. Mais une fois toutes les 2-3 semaines, je fais un masque. Pour purifier un peu ma peau. Donc là, la meilleure crème hydratante du monde pour moi, il n'y a pas à discuter, c'est la Clinique Moisture Surge. C'est la meilleure. Elle est trop bien. Elle me fait une peau parfaite. Et j'alterne avec la Chanel, la Gel Beauty. Comment ça s'appelle déjà? Gel Crème. Hydra Beauty Gel Crème de chez Chanel. Donc j'alterne avec celle-là, mais je préfère celle-là. Je préfère la Clinique, c'est bizarre. Hein. Celle-là, elle coûte cher. Mais c'est vrai que celle coûte cher, elle est bien parce qu'il y en a des produits qui m'ont coûté super cher, qui sont nuls. Celle-là, elle est bien. Et celle-là, elle ne coûte pas cher, cette crème Moisture Surge de chez Clinique. Elle est trop bien, c'est la meilleure. Elle coûte entre 20 et 30 euros. Ça dépend si vous voulez prendre 30 millilitres ou 50 millilitres. Donc là, j'en ai pris un peu avec les doigts et je vais l'appliquer. Sur le cou. Est-ce que vous aussi ça vous énerve quand vos bagues elles se retournent, vous faites vos soins? Avant j'utilisais beaucoup de masques en tissu de ce genre. Des masques comme ça. Ou encore comme ça. Mais maintenant j'en utilise beaucoup moins parce que je veux que tous mes boutons partent. Et quand mes boutons seront tous partis, quand j'aurai combattu mon acné adulte. Parce que je suis une adulte, je suis pas une adolescente, il faut s'en rappeler, ça je vais pas vous donner mon âge, mais ça veut pas dire que je suis jeune. Ben, je mettrai des masques en tissu à nouveau. Et j'aurai à nouveau des boutons. Ça me saoule. Je sais pas si j'aurai à nouveau des boutons, je pense pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie d'utiliser des crèmes. Des crèmes. J'ai pas envie d'utiliser des masques en tissu en ce moment. Parce que ma peau, elle est trop fragile encore. Elle est vulnérable, ma peau. Par contre, j'ai toujours des patchs pour la bouche, pour les lèvres et des patchs pour les cernes. Donc à la fin de la vidéo là, à la fin, pas à la fin de la vidéo, à la fin de la routine, la morning routine skincare, la skincare du matin, je mettrai mes patchs anti-cernes et je vous montrerai la routine du soir en même temps. Elle pénètre très rapidement dans la peau, c'est agréable quand vous touchez l'odeur, elle est agréable l'odeur. Il n'y a pas d'odeur, je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'odeur. Hein. Non, il n'y a pas d'odeur, aucune odeur. Et après ça, j'applique ma crème solaire. Donc celle-là, c'est une crème santé. J'alterne avec ces deux crèmes solaires. Aujourd'hui, je vais mettre la teintée. Parce que je sais pas si je vais me maquiller. Donc, ça sera déjà une petite base pour le make-up si je me maquille pas. Si je mets pas de fond de teint. Mais celle-là aussi, elle est blanche. Celle-là, elle est pas teintée. Donc, on a la Vichy et la Pharma. Comment ça s'appelle? Isis Pharma. On a la Isis Pharma et on a la Vichy. Les deux sont bien. Les deux, c'est des 50. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celle-là, la Isis Pharmacie. Enfin, comment ça s'appelle? Isis Pharma. La Isis Pharma. Elle est teintée comme je vous disais celle-là. Donc je vais vous montrer, regardez. J'en ai mis une tonne. Elle est comme ça. Je trouve pas ça agréable à appliquer une crème solaire. C'est agréable d'appliquer les sérums, c'est agréable d'appliquer des crèmes hydratantes. Mais les crèmes solaires, c'est pas agréable d'appliquer ça. Ça colle, ça. Je sais pas. Dans mon cou. Les filles, c'est la Yasmine du montage qui vous parle. J'ai perdu un morceau de vidéo, il veut pas s'ouvrir, j'arrive pas à l'utiliser, ils disent fichier endommagé, j'arrive pas à utiliser ce morceau de vidéo, il m'énerve, et du coup dedans, bah, il y a là où je finissais de mettre la crème solaire, là où je me suis lavé les mains après la crème solaire, parce que si je me touche les yeux avec la crème solaire sur les doigts, ça me brûle grave, donc je me lave les mains tout de suite après avoir touché la crème solaire, d'habitude, tout le temps, tous les jours. Et après, j'ai mis les patchs pour les cernes, pour le dessous des yeux. Des patchs que j'ai de la marque Pure and Care, que j'ai acheté chez Normal. Au collagène, c'est des masques. Vous allez voir que dans la suite de la vidéo, j'ai des patchs sur les cernes. Ça m'énerve. C'est la vie. On continue la vidéo. Mouah. Normalement, je mets aussi un patch sur mes lèvres en hydrogel de ce type-là, comme les cernes.
Mais là, je peux pas vous parler si je le mets, donc je le mets pas. Donc, pour commencer le soir, je suis maquillée souvent. Même si je suis peu maquillée des fois, souvent je suis très maquillée. Donc, je suis maquillée. Donc, premièrement, j'utilise ce baume démaquillant de chez W7. J'ai acheté chez Normal encore une fois. Clinique, ils en ont fait un, tout le monde l'adore, mais j'ai jamais testé. Moi, c'est le seul que j'ai testé de baume démaquillant, celui-là. En fait, c'est un système comme une huile. C'est un baume huileux, gras, c'est du gras. En fait, c'est du gras. C'est un baume, vous prenez avec vos doigts, vous mettez sur le visage, vous appliquez, ça va devenir de l'huile. Ça va se diluer, ça va devenir de l'huile sur le visage au contact de la peau. Après, ça va diluer tout le maquillage. Si vous faites comme ça sur vos yeux, tout le mascara, il va se diluer, il va partir, il va se mélanger au baume, à l'huile du baume. Et tout votre make-up va s'en aller comme ça. Donc vous enlevez, vous appuyez, vous diluez, vous essuyez, vous essuyez, vous essuyez, vous massez le visage, vous rincez à l'eau froide, et là tout part. Et quand vous êtes rincé, vous avez rincé votre visage à l'eau froide, vous avez rincé ce baume, vous n'avez plus de maquillage sur le visage, il n'y a plus de maquillage. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le visage propre, vous êtes démaquillé, mais vous n'avez pas lavé le visage, vous êtes démaquillé. Maintenant, il faut vous laver le visage. C'est deux choses différentes. Donc après, pour se laver le visage, j'utilise le savon Innisfree. C'est le meilleur. Il est incroyable, ce savon. J'espère que vous allez voir le focus parce que souvent, je vous montre et c'est trop lumineux. Je me rends compte qu'après. Je sais pas comment je peux vous montrer bien comme ça. Voilà, là, vous voyez bien. Le Innisfree au thé vert. Donc, il s'achète chez Sephora à 11 euros et il dure super longtemps, ce tube. Il dure 6 mois. 5 mois. 5-6 mois. Et il coûte 11 euros, donc ça vaut le coup. 11 euros et quelques. Donc c'est un hydratant, c'est un nettoyant en crème, en gel, avec du thé vert hydratant. C'est hydratant, il y a 150 ml dedans. Donc voilà, ça c'est pour se laver le visage. Donc après vous lavez le visage avec ça, nanana, vous frottez plusieurs minutes. S'il vous plaît, restez au moins une minute, entre 30 secondes et une minute à frotter votre visage. Faites pas juste tac 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 et vous rincez. Vous massez délicatement, vous massez, vous massez, vous massez les endroits où vous voulez que les boutons y partent, que vous avez moins d'impuretés, que les endroits où il restait du make-up dans les cheveux quand vous avez mis votre bronzer dans la racine des tempes et tout. Vous soignez bien, vous lavez bien votre visage, quoi, en gros, voilà, vous avez compris, bref. Et après, on arrive à la routine du soir au même point que la routine du matin, c'est-à-dire que je m'assois le visage de titri, des fois d'eau de rose. J'ai un autre pchit-pchit, une autre bouteille, c'est avec de l'eau de rose dedans. Donc le plus souvent c'est de l'herbe à thé, mais des fois, très rarement, j'en ai un peu marre de l'herbe à thé. Quand j'en ai marre de l'herbe à thé, je me pchit-pchit de l'eau de rose sur le visage pour réveiller la peau. Après, je prends un coton et j'utilise le tonique La Neige, comme tout à l'heure. Le soir, pareil, ça change pas. Après, j'utilise toujours mon sérum CAV. Saève, oh là là, c'est pas vrai. Après, j'utilise toujours mon sérum Saève. Des fois, j'utilise le Night Repair de chez Estée Lauder, mais j'utilise pas souvent. J'utilise vraiment pas souvent. De temps en temps, je mets une goutte là, une goutte là, une goutte là, et je masse, je masse, je masse. C'est en prévention des rides. Moi, j'ai aucune ride. Mon front, il n'est pas ridé. Si vous regardez vraiment bien, j'ai aucune ride. Et hamdoulé, hamdoulé, mais j'utilise comme prévention de rides celui-là, mais j'utilise une fois par 10 jours, une fois tous les 10 jours, une fois par semaine, pas beaucoup du tout, j'utilise pas beaucoup du tout. Après, comme tout à l'heure, j'utilise le contour des yeux. Après, j'utilise la crème hydratante comme tout à l'heure, soit la Chanel, soit la Clinique. Mais en ce moment, j'utilise beaucoup la Clinique. De temps en temps, j'utilise la Chanel, la Hydragel Beauty. Mais c'est beaucoup la Clinique Moisture que j'utilise en ce moment parce que j'ai envie de faire guérir ma peau de cette acné. Et je fais confiance à cette crème-là plus qu'à la Chanel, j'avoue. Après, j'utilise ce sérum pour les cils, pour refaire la repousse des cils. En fait, ça rend les cils plus noirs et plus épais, plus longs. Mais c'est des mythos. Parce que je l'ai testé, j'en ai testé 3 en tout, comme ça, ou 4 même, je crois. J'ai testé plein de produits comme ça, des sérums pour les cils. Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, mes cils, ils ont rien du tout de changé. Ils sont pas. Mes cils, on n'a pas changé, ils sont pas étoffés, il n'y a rien qui a changé avec mes cils. Rien n'a changé. Et enfin, là, on a fini la routine, on a fini. Mais il reste un truc, c'est pas sur mon visage, mais je voulais vous montrer quand même.
C'est ce produit, c'est une huile pour les ongles. Et franchement, je vois la différence que depuis que je l'utilise. Avant, mes ongles, ils se cassaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, ben, ils se cassent plus. J'ai eu dans la box la Gorilla Box. NCLA So Rich. En tout cas, j'applique ce genre. Cherchez ce genre d'huile pour les ongles. Celle-là, elle marche bien, mais il doit y en avoir plein d'autres qui marchent. Donc, regardez, tapez sur Google ou sur Amazon ou sur Beauty Bay, n'importe. Tapez huile fortifiante pour les ongles. Et vous tomberez dessus, je pense. Ou bien allez sur le site de Gloria Box si vous la voulez. Je sais pas comment vous pourrez faire. Moi, je l'ai eu dans ma box, Gloria Box. Donc, voilà. Je sais pas comment vous pouvez la procurer. En plus, vous avez même pas vu la référence. Sur le site de Gloria Box, vous pouvez acheter des produits. Sur le site de Gloria, Gloria, Gloria Box. Sur ce site-là, bah moi je suis abonnée à cette box, mais sur le site de cette box, vous pouvez acheter les produits séparément. Il y a toute une liste dans le shop, dans le magasin de la box, dans le magasin du site. Donc allez voir là-bas, peut-être que vous la trouverez là-bas, cette huile. Mais elle est vraiment magique cette huile, hein. Elle est trop bien, je l'aime trop, elle est trop belle en plus. Et j'essaie d'appliquer tous les jours, ils disent d'en appliquer une fois par jour ou même deux fois par jour. Je ne l'applique jamais deux fois par jour, mais je l'applique une fois tous les deux jours. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà mes choupios! Maintenant, il faut que je range tout ça. Regardez le bazar. Il faut que je range tout ça maintenant. Tadam! Faut ranger tout ça. Et ça, et ça, et ça. Faut tout ranger maintenant. En tout cas, mes choupios, j'ai kiffé faire cette vidéo avec vous. Je me suis bien éclatée. J'espère que ça vous a plu, vous aussi. On a fini la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bisous! La prochaine vidéo, c'est un room tour. Tchuss!